Ici, les Mbouzas de Bumba ont marqué particulièrement l'accueil de la première dame dans leur fief d'une émotion bouillante. Les Mbandia Yakoma, conscients du timing limité du séjour de l'épouse du chef de l'État dans leur territoire, n'ont pas manqué cette occasion pour offrir les meilleurs d'eux-mêmes. La population du territoire de Yakoma vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Merci. Unis comme un seul homme, les Yakoma qui reçoivent pour la première fois une première dame du pays engagée à alléger la misère de ses compatriotes lui ont réservé un accueil digne de son rang. Sur un trajet de 3 km, Marie-Olive Lembe Kabila communie avec les Mbandi de Yakoma au travers d'une marche depuis l'aérodrome jusqu'à la place du meeting. Après avoir traversé toute la cité, donnant ainsi l'occasion aux Yakoma de la voir, mieux de vivre sa chaleur maternelle, Marie-Olive Lembe Kabila, arrivée à la place du meeting, transmet tout d'abord les salutations de son époux, le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé, à sa population. Obosa na kate, opese na ngambote, na bana na ngai na bandeko baza kuna. Soki obosa ni na kosilike la ama kasi, yangona mbote na ye, yangoyo mbote na ye. Tepeli mingi, oyo jeste.
te bosali ya koyamba ngai ebele boye elakisi ete bolingo ezali katikati ya bino na biso. Informé sur divers problèmes qui accablent cette population, Marie-Olive Lembe Kabila s'engage à travailler pour le bien communautaire. Makambo ya mutu moko moko eza possible te ko résoudre yango. Biso nyonso to simba na maboko pote tokoka kotrouvaka ba solution ba résolution mpona makambo oyo ya intérêt communautaire. Un message sur la paix, gage du développement, vient clôturer l'adresse de l'épouse du chef de l'État, Oyakoma. Tomate la kimia, koto tonga mboka na biso. Mboka etonga makana bitumba te. Mboka etonga makana koswana te. Koso kito ebi kobate la kimia te. Toko banda kozonga ka asima. Tope sa chance ya mboka na biso. Bebiso moko na bana o tozo bota. Na bakoko oyo toko zwa. Koba makoka kozwa. Bisengo na mokili oyo nzambe apesi biso ya kitoko. Ni président et ndenge azali awa toza na esengo penza kosepela komo na ye ifale azala mikolo nyonso epa na biso tosepela na ye mikolo ya nsima azala ntango nyonso epa na biso komana toni na esengo makasi po mare ya premier part kovisite biso koma epesi biso courage mpenza toza dere kabila na Après le meeting, la première dame va rendre visite à M. Seth Yale, notable de ces territoires frontaliers avec la Centrafrique et le Soudan. Seth Yale salue le courage de Marie-Olive Lembe Kabila. Je sais que la maman Olive, la maman présidente, c'est une femme dynamique. Elle fait pas seulement par avion, le bateau ou quoi, même à pied. Et on vient de le vivre. Et les Yakoma ont vraiment, vraiment apprécié ça. Parce que ça ne se fait pas chez nous. Essayons de pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse réussir son programme, pour qu'elle puisse bien assister son mari, le président, le chef de l'État de la RDC. Pendant que la première dame s'entretient avec Seth Yale, à l'extérieur de sa résidence, les bandits ne désemplissent pas. Voir Marie-Olive Lembe Kabila fouler leur territoire est un événement. Rempli d'allégresse, la danse du terroir en est une manifestation. Maman présidente, maman Olive Olembe, Toyambi et la Essengo, Toseki présence et papa Kabila. Avant que vote et salema, Toyambi, Tomonaye, Akome la Bisso, Josepela. Vous marchez beaucoup. Ah oui. Il est conseillé de beaucoup boire. Boire, oui. Il y a ça que je donne. Yakoma, territoire bordé par des cours d'eau, connaît une pêche florissante. La première dame s'est rapprochée de cette réalité sur la rivière Oubangui. La rencontre entre l'épouse du chef de l'État et les pêcheurs se transforme en une fête. La joie est au comble. Pour mieux l'exprimer, certaines riveraines se jettent à l'eau. Oh!
meli biso lela na yakoma. De la rivière Oubangui, la première dame ira à l'hôpital de référence de Yakoma. Ici, elle va visiter les internés de la maternité et de la pédiatrie. L'épouse du chef de l'État découvre avec amertume que par manque de place dans la pédiatrie, par exemple, les malades partagent le lit à 3, voire même à 4. Pour plus de 300 000 habitants, Yakoma ne dispose que d'un seul centre médical de référence. La présence de l'épouse du chef de l'État dans cet hôpital revigore les médecins qui espèrent de nouveau au changement des conditions de travail. Pour nous, c'est une chance pour que nous exposions nos problèmes à la première dame et qu'elle fasse part de ça au chef de l'État et éventuellement on peut nous donner ce que nous allons demander. Bien qu'elle y soit demeurée quelques heures seulement, la présence de Marie-Olive Lembe Kabila dans les territoires de Yakoma a apporté l'unité et la réconciliation entre les frères et sœurs Ngwandi. Le déplacement de Maman Olive a répondu aux attentes de la population du Nord Ubangi et plus particulièrement du territoire de Yakoma. Et ce qui m'a touché le plus, c'est que le déplacement de Maman Olive, surtout en venant dans le territoire de Yakoma, il nous a apporté l'unité, la paix et la réconciliation. Puisque c'est grâce à Maman Olive qu'aujourd'hui j'ai mis mes pieds dans la résidence de mon grand frère Sétial depuis 2006. Et c'est un apport important.